Good evening, everyone. It's an honor to be here today. I'm Joanne, and I'm the CEO and co-founder of Omini. And at Omini, our goal is to make blood tests 100 times faster and 100 times simpler. We develop a new generation of portable blood testing devices using adaptable electrochemical sensors. So if you believe in our mission, if you would like to join Omini in bringing blood testing to the new medical era, please come and talk with us. Thank you. Je dois faire 3 minutes et je suis à 2 minutes 54 maintenant. Yes. Ce qui me stresse surtout, c'est de parler trop vite quand je suis sur scène. Parce que j'ai tendance à parler vite en général, surtout quand je commence à connaître mon speech par cœur. On n'est que 3 startups à pouvoir pitcher, donc c'est assez stressant, mais je suis aussi très contente. Voilà, on a Joanne qui va enchaîner sur scène le prochain starter. Donc là, pareil, Roxane va laisser la parole à Joanne. On peut mettre un peu de musique quand elle montre. J'ai 28 ans, je suis libanaise d'origine et en France depuis 7 ans maintenant. Et je suis la cofondatrice d'une start-up nommée Omini, qui a presque un an maintenant. Et c'est un projet sur lequel je travaille avec Anna Chirinskaya, la deuxième cofondatrice, depuis maintenant un an, 2 mois. T'es un peu stressée? Un tout petit peu, je ne connais pas l'audience. Mais... Alors, quand t'arrives ici, tu t'installes là, c'est bien, tu commences à nous parler, tu nous regardes. Après, n'hésite pas à bouger un peu. Pas forcément à faire des grands mouvements les uns côté à l'autre, mais à bouger un peu. Et autre chose, effectivement, ça se sent un peu que t'es stressé dans le ton de ta voix. Parce que tu vas nous parler sur un ton qui va être un petit peu monotone. Alors que t'as envie de nous vendre ton truc et t'as envie qu'à la fin, on se dise « Putain, mais oui, c'est ça qu'il faut pour le test de sang. » Donc du coup, n'hésite pas à jouer un peu plus, quitte à surjouer un peu. Parce que je pense que comme t'es stressé, si tu surjoues, ça ira. Ça va quitter pour moi. Tu veux réessayer ? Pas de soucis. Et on va... Est-ce qu'on peut rechecker toutes les slides à la limite ? Omini, notre motto, c'est la biologie médicale 100 fois plus rapide, 100 fois plus simple. Donc la biologie médicale, c'est quoi ? C'est l'ensemble des tests qui vont se faire en laboratoire pour, disons, vérifier l'état de santé d'un patient en mesurant ce qu'on appelle des biomarqueurs. Et donc, nous, ce qu'on peut faire avec notre technologie et ce qu'on souhaite faire, c'est développer des dispositifs portables de tests sanguins qui vont donc permettre de faire des tests, des mesures de biomarqueurs sanguins au chevet du patient directement, où qu'il soit. Emergency sur une seule ligne aussi. C'est la première fois que c'est projeté sur un écran aussi grand, donc je pense qu'on n'a pas l'habitude de préparer des slides aussi grands. Mais s'il y a besoin de modifier, il n'y a aucun problème. Je ne connaissais même pas l'entrepreneuriat en soi pendant mon enfance et mon adolescence. Et c'est venu plutôt pendant ma thèse, où il y avait un programme qui avait été lancé pour permettre à certains chercheurs de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je ne pensais pas à le faire aussitôt non plus. Disons, tout ce qu'un entrepreneur doit faire dans sa vie, tout l'impact qu'il peut avoir, ça m'attirait beaucoup. Mais je n'avais pas de projet très clair en tête. Et c'est vraiment quand j'ai rejoint Entrepreneur First, c'est là que ça s'est cristallisé pour moi. Please come and talk with us afterwards. Thank you. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, tu te déplaces plus. C'est une question d'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est une question d'entraînement. Les mots sur lesquels tu butes, c'est juste parce que t'es stressé, parce que tu le connais par cœur, le pitch. Mais franchement, non, honnêtement, ça va bien se passer. Très bien. Juste top. Merci. On enchaîne. On va enchaîner du coup avec un... Mais c'est les vacances, du coup. Il n'y a pas des stages tennis, vacances ? Oui, c'est des stages. Ouais. Partout, pareil. On peut peut-être gratter un stage de tennis, quand même. Caramel, c'est la solution qui va aider tous les parents. C'est une application mobile qui aide justement les parents à découvrir et à réserver des activités pour leurs enfants. Pour le week-end, à faire en famille ou juste pour les enfants, pendant les vacances scolaires avec des stages ou même à d'autres moments importants de l'année, type les anniversaires. Tu lui as donné rendez-vous où, tu vois? Je lui ai dit à la Totoras à l'heure et demie. Clémence, on s'est rencontrés au mois d'octobre de l'année dernière via des amis communs. Et on a tout de suite accroché, on a toutes les deux un certain goût pour l'éducation et on a tout de suite un petit peu évoqué le fait de faire quelque chose ensemble.
Et donc, on a commencé vraiment les premières briques de caramel au début de l'année. Ça allait assez vite, on a eu l'idée assez rapidement, on savait vraiment ce qu'on voulait faire. Et la première version de l'application était disponible au mois de février. On a été sélectionnés pour ce qu'ils appellent Future 40. C'est les 40 startups les plus prometteuses, en tout cas, de la station F. Et aujourd'hui, c'est la journée de lancement, donc on a une heure où je pense qu'ils vont nous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants du programme et voir ce qu'on peut faire, comment on peut en bénéficier. Depuis que je suis toute petite, j'ai cette idée de créer quelque chose. Déjà parce que ma mère, elle, est aussi chef d'entreprise, donc c'est le modèle principal que j'ai eu. Ma grand-mère, elle est artiste peintre, en un sens, et entreprendre à son compte. J'avais toujours cette volonté, cette idée, et j'attendais juste le bon moment de me lancer. Mais effectivement, je pense que dès le départ, je ne me voyais pas dans un schéma classique du salarié ou un qui travaille pour une grosse boîte, mais vraiment quelque chose que je pourrais porter moi-même. Je m'appelle Julia Faure, j'ai 31 ans et je m'occupe de la marque Loom. Donc Loom, c'est des vêtements durables dans tous les sens du terme, enfin qu'on essaye de faire les plus durables possibles. On réfléchit aux vêtements qui s'usent le plus rapidement ou qu'on jette le plus rapidement et on essaye de concevoir une version que les gens gardent le plus longtemps possible. Et le seul moyen d'être sûr en fait que notre fringue est bien, bah, c'est de la tester quoi. C'est ta sœur, Clément, qui avait dit que c'était peut-être trop pas assez habillé. Ouais. Que c'était trop simple, ouais. Que ça faisait les chaussures de supermarché. Un peu tout le monde, en fait. Et moi aussi, c'est ce qu'on m'a dit. À chaque fois que je pose la question, les gens me disent il y a quelque chose qui fait trop simple. Moi, j'aimais bien qu'on voit pas, que le logo il soit super discret, mais peut-être que ça habille pas assez. On pourrait faire patch noir, logo blanc. Ouais. Patch blanc, logo noir. Ou blanc-blanc, noir-noir. Blanc-blanc, noir-noir. Enfin, embossé, quoi. Ouais. En fait, au départ, c'était juste un besoin de consommateur. Avec mon associé, on s'est dit qu'on allait essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un vêtement dure longtemps. Plus aucune marque ne demande aux usines de faire la qualité. La seule chose qui intéresse les marques aujourd'hui, c'est de produire vite, de produire des choses nouvelles et de produire à bas prix. Et en fait, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit que c'était catastrophique, en fait. Parce que quand on produit des vêtements jetables, l'impact sur la planète, il est... énorme. On produit des vêtements qu'on va porter trois fois et qu'on va jeter. Je me demande si, au lieu de faire un lancement de produit, on fait un lancement de testeur. On fait une prod minimale de 500 paires. On les vend à prix coûtant. Et on dit aux gens, voilà, on vous les vend à prix coûtant, mais en échange, on va vous demander des retours régulièrement. Et au bout d'un an, on aura des retours de ouf, en fait. On aura 500 personnes qui auront porté quotidiennement les chaussures et... on verra comment évolue la chaussure, pas seulement sur nos pieds, pas seulement sur notre usage, mais sur des usages hyper différents, sur des pieds différents, sur des gens qui ont les pieds plus ou moins sensibles et tout. Et là, on aura... avec ces feedbacks-là, c'est impossible qu'on fasse pas genre la meilleure basket du marché, quoi. Je m'appelle Lara, j'ai une start-up. On fabrique un outil pour les équipes commerciales pour qu'elles travaillent plus en ligne. Cara.ai, c'est une application qui est web et mobile, à destination des équipes commerciales, et qui leur permet de gagner 30% de productivité en plus. On a créé l'entreprise il y a un peu plus de 5 mois. On a commencé à développer la première version du produit qui va sortir là. Et c'est une version où là, on va donner l'opportunité à tous nos collègues de Station F de pouvoir la tester. En parallèle, moi, mon travail, c'est de lever des fonds pour pouvoir lancer les améliorations et le développement final de la V1. Le projet est né d'un besoin d'être plus organisé pour avoir des résultats équivalents en ayant une vie personnelle différente, voire des résultats supérieurs, tout en ayant moins de temps. Donc, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au time management. Là, il y a plein de bouquins. Il y en a beaucoup sur l'organisation du temps, sur comment être plus efficace. Et c'est ce qui m'a donné envie de me poser la question sur comment je peux l'appliquer chez les sales. C'est une façon de travailler qu'ont les développeurs qui est super efficace. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 6 ans, à partir de la naissance de mon fils. La bonne nouvelle de la journée, c'est que je viens de raccrocher avec un représentant de Salesforce, le représentant Pierre de Salesforce en France,
qui va peut-être nous avoir des badges pour Sales Dream, qui est une conférence qui serait très bénéfique pour notre business. Et c'est assez compliqué d'avoir des badges. Donc j'attends avec impatience le retour sur cette conférence. Elles apportent des choses, les femmes, qui sont différentes des hommes, et c'est en ça qu'elles constituent cet avenir. Elles apportent ce qu'elles sont, leur envie, leur détermination, leur pragmatisme aussi. Et je crois que c'est ce qui fait leur valeur, c'est ce qui fait qu'elles sont dans une constitution qui permet de faire avancer les choses, dans l'entreprise qu'elles créent, qu'elles ont envie de voir avancer. Et c'est en ça qu'elles constituent l'avenir de... J'allais dire de l'homme, non, l'avenir de la tech. Il y a encore quelques années, 30% des entrepreneurs étaient des femmes. Aujourd'hui, elles sont 40% et ce chiffre est en constante progression. At Station F, roughly one third of our population is female, and we today have 5 out of 30 of our programs that are 45% female founded or more. Which means that actually some of these programs have a higher representation of female founders than the actual ecosystem itself. Hey everyone, welcome. My name is Roxanne, I'm the director at Station F. We're super excited to have you guys with us for this first edition of F for Femme. We've invited a number of incredible people that are working on initiatives that are actually making a difference, making an impact. We're gonna talk about education and what we can do to inspire a new generation. And now I'd like you to help me welcome to the stage, Joanne from Omini, our second female fellow. I'd like to join Sonia first to thank Station F for this event. It's an honor and it's actually a bit intimidating to speak after all these great panels, but I'll try my best. So I'm Joanne. J'ai vu une vraie différence entre la façon dont une femme va pitcher ses idées et un homme va pitcher ses idées. La femme va avant tout mettre l'accent sur son produit, le besoin, la façon dont elle pense qu'elle va transformer un usage, alors qu'un homme va être peut-être plus compétitif et va tout de suite avoir une idée de son marché. Les femmes ont cette sensibilité qui fait que ce qui les intéresse, c'est plus le problème auquel elles essaient de répondre, comment elles vont solutionner des problèmes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit beaucoup de femmes dans la santé, dans l'éducation, parce que les femmes ont envie d'aider. Et c'est aussi la façon dont du coup elles pitchent leurs idées et elles pitchent leur entreprise. So if you believe in this cause and if you would like to bring blood testing into this new medical era, please come and chat with us, connect with us, we are available on all services. Thank you. Il y a des choses qui sont sorties un peu dernière minute sans que je m'en rende compte, mais je pense que sinon le message est passé. Je me demande si j'ai parlé trop vite, pas vite, mais sinon je suis contente d'avoir eu l'occasion de pitcher au Mini, de raconter ce qu'on fait. C'est une journée assez spéciale pour nous aujourd'hui aussi, donc on est contente de pouvoir être là. Les speakers sont inspirants, et même si la réalité qu'elles ont transmise n'est pas évidente pour les femmes en tech qui sont entrepreneurs, mais de voir qu'elles ont réussi, on peut se dire que... On va devoir se battre, mais on pourra réussir aussi. Je suis en train d'améliorer la page d'accueil de l'application. Toutes les semaines, on essaie de sortir une nouvelle version. En fonction de l'utilisation qu'a eu la version précédente, on voit là où il y a eu les points de frottement.
pense que tout le monde travaille mieux le matin. Donc c'est vraiment les horaires, les heures les plus productives, je pense. En tout cas, chez moi, c'est entre 6h et 9h. Et le code, c'est quand même une discipline, on va dire, où il faut vraiment être concentré. Et c'est plus facile de le faire quand il n'y a personne. Le code, c'est un super langage qui permet de développer et de construire des produits qui soient mis en ligne sur le web, pour les applis. C'était le passage obligé. Hein. Moi, quand j'ai commencé à avoir des idées de boîte, c'était que des idées d'applications ou que des idées de sites web. J'avais pas d'argent pour payer de développeurs, j'avais des copains développeurs mais qui n'étaient pas dispo. C'était inévitable. Ah ben, mon ordinateur, je le laisse jamais tout seul. Hein. Toujours avec moi. Évidemment, je le laisse pas au bureau. Dans les soirées, je pose jamais mon sac. À la maison, et à côté de mon lit. En vacances, il est jamais très loin. Dès qu'on a une idée, envie de faire un petit design ou coder quelques lignes, c'est pratique. I would tell a young woman to first learn to program. It's important because if you can program, then you can take the crazy idea that you have in your head and create a product yourself. You're not reliant on anyone else doing that. You're not reliant on choosing a co-founder who's technical that you might not know and you might not be able to judge their technical expertise. You can do it yourself. Tous les matins, j'essaye de méditer. Et ça permet d'avoir des idées beaucoup plus claires. De savoir quand c'est l'ego qui parle ou quand c'est vraiment une bonne idée. Je sais, tu veux commencer par quoi? Les maths. Perdu. L'écriture? Oui, comme ça, je pourrais avoir un plus grand temps de maths. Ah bon? T'as remarqué que si tu commençais par l'écriture, ça avait plus de temps pour les maths après? Ouais. Mmh, malin. Est-ce que mon école, c'est école de la vie ou grande école? C'est plus école de la vie. Quand j'étais petite, il y avait une amie de ma mère qui travaillait sur les marchés et qui m'avait donné des colliers qu'elle n'avait pas vendus. Et je les vendais dans la cour de récré. Et on m'a même dit d'arrêter de faire ça. Donc est-ce que je suis une entrepreneuse dans l'âme? Sûrement. En tout cas, je dirais que j'ai un côté très créatif et un côté, peut-être pas commercial, mais presque. Pour moi, la semaine prochaine, organiser Dreamforce. Ouais. Préparer les questions, si c'est des sales. Préparer le pitch, si c'est des potentiels BA. Et faire mon agenda sur place. Ouais, avec qui tu vas voir et tout. Exactement. Ok. Good. Bon, on est good, non? Mm-hmm. Bon week-end, alors. On se voit à Dreamforce, alors. Ah bah non, on y va pas. Allez. Il y a une image encore assez marquée de l'entrepreneur, déjà, plutôt masculin, et le tech entrepreneur, plutôt très masculin. Donc, est-ce que c'est plus difficile? Pas forcément. Par contre, est-ce que les femmes peuvent avoir une appréhension plus grande à se lancer? Oui, je pense. Si on veut avoir des startups qui fonctionnent et qui marchent bien, on a besoin de diversité. Et cette diversité, elle s'exprime en premier lieu dans le fait d'avoir des startups qui sont créées par des hommes et par des femmes. C'est la rencontre de personnalités différentes, de gens différents qui permet de créer des succès. La thématique d'Omini, l'entreprise elle-même, la santé en particulier et ce focus, ça a été un moment Eureka à deux, parce que c'était la première motivation des deux cofondatrices. Nous, ce qu'on peut faire avec notre technologie et ce qu'on souhaite faire, c'est développer des dispositifs portables de tests sanguins qui vont donc permettre de faire des tests, des mesures de biomarqueurs sanguins au chevet du patient directement. Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes les premiers à avoir une technologie qui peut être à la fois portable, précise et abordable.
Moi, de formation, je suis biochimiste. J'ai fait un doctorat de biochimie et de biophysique, donc, durant lequel j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des machines moléculaires, des enzymes, qui avaient le rôle, entre autres, de dérouler, on dirait, notre matériel génétique. Et j'ai fait une thèse de 4 ans, au bout de laquelle, après avoir soutenu, j'avais rejoint le programme Entrepreneur Force, dans lequel j'ai rencontré Anna. Vu que le cœur de travail d'Omini, ça reste les capteurs, donc la majorité du travail, c'est l'expertise d'Anna. Moi, là où je peux aider, c'est sur la dernière partie de ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est quand ces capteurs-là, une fois on les a préparés, on va les rendre spécifiques de nos cibles, les cibles que l'on va chercher dans le sang après. Ce n'est pas mis. Si, si, c'est bien. C'est juste la réaction qui est un petit peu méchante. Elle libère de la chaleur aussi. Il libère beaucoup de chaleur, donc on peut attendre un petit peu. Ouais. Finalement, aujourd'hui, l'association femmes et techniques, elle n'est pas totale. On n'associe pas les femmes suffisamment au manuel technique. Si on arrive dans l'éducation, dans le reflet de la société, à enlever cette barrière-là, alors on le dépassera. Ça va prendre du temps, et c'est là que je crois beaucoup à l'exemplarité. Je crois beaucoup au fait qu'on puisse montrer des modèles, qu'on les définisse, qu'on les mette en avant. Et peut-être qu'on ne le fait pas assez. Peut-être qu'on ne montre pas assez de femmes qui réussissent. Il y a toutes ces femmes qui font des choses, y compris dans la tech, qu'on ne met pas en lumière. Et pour autant, c'est elles qui font avancer la société et l'image que l'on a. C'est la curiosité qui nous pousse à faire la science, c'est de comprendre comment le monde tourne. Mais bon, en tout cas, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de demander est-ce que je fais de la science ou non, parce que je suis une femme. Yes, c'est là. Est-ce qu'on se fait un point sur le programme ? Ok. Alors, il y a un sujet technique, c'est comprendre comment rendre le chino moins brillant. C'est moins brillant ou c'est électrostatique ? En fait, c'est sûr qu'il est moins électrostatique, ce que j'ai pas de doute, mais maintenant toute l'idée c'est de voir si on arrive à le rendre moins brillant. On va à Mulhouse, on va voir l'usine de Velcorex. C'est les personnes qui font le tissu de notre chino pour faire des vêtements de qualité. Tu dois comprendre le process industriel. Tu dois comprendre en fait les étapes clés qui permettent d'assurer la résistance d'un produit. Et il n'y a pas beaucoup d'usines en France. Donc avoir la chance en fait d'avoir un outil industriel aussi performant en France, c'est un truc un peu de ouf. Et le truc hyper intéressant aussi de cette usine, c'est que environnementalement, elle est au top. Hello! Ça va Christophe? Bien et toi? Salut! Et Clément, je sais pas si vous étiez rencontré. C'est le premier salarié. Premier salarié. Et qui fait tout ce qui est image et tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Shooting, voilà. Etc. Et tout le reste. On y va? Oui, allez, c'est parti. Ok, cool. C'est un velours, mais pas côtelé en fait. Ça c'est juste la machine pour faire le blanchiment. D'accord. Blanchiment, puis teinture, puis après. Très teinture quoi. Ouais. On va voir la teinture, on va voir l'étape de blanchiment. Ça va permettre d'enlever les bus et rendre le tissu bien hydrophile. Quoi, ah mais c'est ce que tu m'avais montré au salon. Ok. Ils vont enlever les couches de lustrage. Ouais. Qu'est-ce que c'est les autres process au sein de la chaîne du tissu qui donnent de la brillance, qui peuvent donner du lustrage ? Alors, il y a l'étape de sans-forisage qui est la dernière avant la vérification finale, qui va servir à resserrer les fils de chaîne et les fils de trame. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un lustrage au niveau du cylindre chromé. D'accord. Sur cette machine. Donc, une des solutions peut-être serait de sans-foriser à l'envers. En fait, on lustrerait plutôt l'envers que l'endroit. Comme ça, vous aurez une brillance moindre sur les vêtements. Ah, ok. Au lieu d'avoir cette brillance-là, du coup, qui est l'endroit. On aurait un truc plus mat, qui est carrément ce qu'on veut. Et est-ce, mais oui, est-ce que ça change quelque chose en termes de performance, de résistance?
C'est un effet qu'on... Ok. Donc ça ne change rien en termes de performance du tissu, c'est juste un effet visuel, en fait. Et du coup, bah, pourquoi tout le monde ne se renforise pas sur l'arrière? Parce que... Les gens, ils aiment bien la brillance, ouais. En fait. On arrivera à avoir le chino moins brillant sans avoir à rajouter des produits sur... Potentiellement. Sur, le, sur voilà. Le truc. Trop bien, c'est super. Ah, je suis trop contente, Je suis trop contente pour être ça. Bon, good. Une femme entrepreneur, elle va sortir du lot parce qu'il y en a moins. Donc du coup, ça rajoute une pression supplémentaire. On le voit aujourd'hui avec de nombreuses fondatrices d'entreprises ou d'entreprises e-commerce qui réussissent. Le syndrome de l'imposteur, il n'existe pas. Les femmes, elles viennent, elles apportent quelque chose d'autre, une autre vision du business. C'est pour ça que c'est important qu'elles soient là aujourd'hui dans le monde de la tech, parce que la tech, ça dessine un peu le futur. Et il faut qu'elles soient très inclusives. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, et pour cause. C'est un territoire qui a été longtemps, trop longtemps peut-être, occupé par les hommes. Alors, faut-il vous le rappeler, les femmes n'ont pu ouvrir un compte en banque en 1965. Elles n'ont pu emprunter de l'argent que dans les années 80. Et lorsqu'elles entreprennent, eh bien, elles n'obtiennent que 2% des fonds de capital risque. Eh bien, nous avons choisi aujourd'hui de donner la parole à une jeune femme qui a un parcours absolument passionnant. Je vais lui demander de venir me rejoindre, chère Lara. Tu vas commencer ton expérience professionnelle dans la finance. J'ai découvert là un nouveau moteur qui était l'argent, qui était la gagne, qui était il faut se battre au coude à coude tous les jours avec tout le monde. Pour réussir, et la réussite, c'était mesurée que par l'argent. Et je me dis, ah, mais il y a peut-être autre chose, en fait. Et j'ai décidé de changer de monde. Et j'ai commencé à travailler avec mon frère qui sortait d'école d'ingénieur. Et avec ses amis, qui étaient des développeurs. J'ai découvert la tech, que je ne connaissais pas. J'ai découvert les développeurs, des gens fantastiques. Aucune discrimination. C'est de la logique, c'est de l'ouverture d'esprit. Et c'est ce qu'on a fait et ce qu'on fait qui compte. Et quand j'ai découvert la tech, je m'y suis sentie bien. On a le plaisir d'accueillir la ministre Marlène Schiappa, qui va venir nous rejoindre. Finalement, les liens entre les femmes et l'argent, qui restent, à mon humble avis, encore un sujet assez tabou. Et je suis très marquée par le fait que beaucoup de femmes qui créent des entreprises ou qui ont réussi à mener des entreprises, qui ont gagné beaucoup d'argent, étaient quelque part dans une démarche de justification en m'expliquant « Alors oui, je gagne beaucoup d'argent, mais c'est parce que j'ai une grande famille. Oui, je gagne beaucoup d'argent, mais j'en reverse. Hein. J'ai fait une opération, j'ai fait une fondation, j'ai donné à des associations, etc. » Comme s'il y avait quelque part une nécessité de s'excuser. Et moi, je crois qu'on est là dans un sujet vraiment fondamental et qui est lié à tous les autres sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, je vous souhaite de très bons débats, une très bonne journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir accueilli. Merci. Alors, les femmes ont plein d'idées. Elles n'ont pas moins d'idées que les hommes. La question, c'est comment convaincre. On parle souvent de la différence entre les levées de fonds faites par des hommes et par des femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers dans le financement sont plutôt des métiers d'hommes. Donc la question, c'est comment on va réussir à convaincre des hommes quand on est une femme. Et je pense qu'il faut travailler sur son pitch. Et qu'est-ce qu'on raconte ? Il faut essayer, je pense, d'être assez catchy sur deux, trois éléments, notre proposition de valeur principale, but de l'exercice. Pour vous donner quelques éléments, ce qui fait qu'un investisseur est convaincu d'une boîte, c'est toujours la même chose, hein, c'est la connaissance, l'exécution et la vision. Donc la connaissance, c'est si vous démontrez que vous connaissez votre marché, l'écosystème, votre population, votre cible, beaucoup mieux que n'importe qui d'autre, ça va créer de la confiance dans l'audience. Ensuite, l'exécution, et c'est là que justement tu parlais d'avoir tu vois, un chiffre ou quelques chiffres assez forts en croissance, c'est pareil. Là, ça démontre votre capacité d'exécution, votre capacité d'avancée opérationnelle. Et ça, ça crée de la crédibilité. Donc confiance, crédibilité. Et la dernière chose qui est essentielle et qu'on oublie parfois à tort,
c'est que la vision crée le désir. Donc en fait, si les gens arrivent à se projeter très loin, ça va leur donner envie d'accompagner l'aventure. Parce que quand on est investisseur, on sait qu'on se projette pour 3, 5, 10 ans, ouais. peut-être plus. Et donc il faut absolument qu'ils aient ces trois éléments combinés. Jean, c'est notre premier investisseur. On a réussi à lever avant de sortir un premier produit. Ce qui est bien, c'est que nos investisseurs étaient tes parents. Donc c'est vrai que ça les aidait à se projeter. Qu'il s'assoit des hommes, effectivement, le réflexe a été un peu différent. C'était le premier réflexe. Et bon, j'espère qu'ils ne voudront pas dire ça, mais c'était « Ah, oh, c'est trop bien cette appli, ma femme va adorer ». Ça, on a eu, on va dire, trois quarts de nos investisseurs. Et donc, bien filé en aiguille, finalement, en un mois ou deux, on a réuni 500 000 euros et c'était ce qu'on avait en tête. So women receive ridiculously low amounts of funding, and it's sad, it's depressing. We see a lot of investors have, you know, the tendency to invest in people that look like them and have similar backgrounds to themselves, and as many men are investors, well, naturally, you're going to have many companies founded by men receiving the money. Plusieurs études l'ont montré, la difficulté d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs en général et pour les femmes entrepreneurs dans la tech en particulier. Dans les levées de fonds qui étaient faites en France depuis 10 ans, 2% seulement des fonds ont été levés par des startups dirigées par des femmes. 2%. I think a lot of people want to fund more women now. It's becoming a really important thing that I think men and women care about. I think more people need to write checks. Like fund more women. More people need to stop talking about it and do it. And then once you've funded them, help support their company, give them great advice so that they can then succeed and become angel investors themselves. And then we'll get that cycle going. Pour mieux servir la communauté. Me servir les populations ouais. et l'environnement. Ouais, voilà. Plus des trois quarts des entreprises mondiales n'appartiennent plus à des individus, mais à des sociétés financières. C'est le syndrome des propriétaires absents. Et ça pose deux gros problèmes. Un, elles veulent grossir toujours plus et toujours plus vite. Et c'est précisément ce qui met la planète en danger. Deux, elles peuvent prendre des décisions inhumaines. Enfin, inhumaines, il y a un côté un peu connoté, genre inhumaine, tu dis waouh, faut pas déconner peut-être. Alors que là, peut-être qu'elles ne prennent pas en compte les impacts humains de leurs décisions. Attends, mais sinon, elles ne prennent pas en compte les impacts humains environnementaux de leurs décisions quand on ne voit pas les conséquences ouais, des décisions. C'est ça que je voulais faire, ouais. Attends, ouais, c'est... Les moyens... Vivre en harmonie, ça va faire ouais, rapidement, ça va faire, j'embrasse ça va faire des arbres. Préserver l'environnement et les populations. Bon, laissons ça ouais, pour Ouais, on laisse ça et on relira. Hop. Une marque éthique, une marque militante, ça doit être dans l'imaginaire de tout le monde. C'est une marque qui galère, c'est pas facile, on vend pas facilement et tout. Nous, c'est l'inverse. On vend hyper bien. On a plein d'argent sur notre compte en banque. Et tout ça en étant hyper fidèle à nos valeurs. Quand on n'a pas à en assumer les conséquences. Ouais. Les conséquences directes. Enfin, ouais. Les seules personnes qui peuvent investir chez nous en étant raccord avec notre volonté de croître doucement pour faire les choses bien, ben c'est des individus, en fait. C'est pas des sociétés financières, c'est pas des entités, c'est pas des professionnels de l'investissement. C'est des gens comme vous et moi qui ont un petit peu d'argent de côté et qui sont d'accord pour l'investir dans l'économie du réel. Cet argent, il a été fourni par 600 personnes. C'est il y a 600 individus qui ont mis chacun un petit peu d'argent pour que Loom puisse continuer à croître. Leur collectivité. J'étais au Portugal, c'était la dernière étape d'un bootcamp. L'objectif, c'était de faire des pitchs à chacune des étapes pour essayer de convaincre des investisseurs. Et à chaque fois, on était notés. Là, malheureusement, on finit en quatrième position. Donc l'aventure se termine pour nous. Bah, là, je peux dire que je suis complètement crevée. Ça fait 2 mois que je n'arrête pas les déplacements. Donc je suis très fatiguée. J'ai même chopé un rhume, je pense, ce week-end. Mais j'apprends progressivement à détacher mes prises et tout ce qui est perso parce que c'est vraiment une montagne russe. Donc là, on est à San Francisco.
fait un temps magnifique. On est à Dreamforce. Je suis super contente d'être ici. J'ai beaucoup de chance. D'être là, c'est, ça veut dire que je vais rencontrer des gens que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Je sais que les plus belles rencontres, c'est celles qu'on n'attendait pas. C'est comme dans la vie. On arrive à Dreamforce, on se retrouve tout de suite dans l'American Dream parce que tout est grand, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est super marrant de voir ça en vrai. C'est un événement qui est important parce qu'il rassemble plus de 170 000 personnes. Là, cette semaine, ça a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et ça nous intéresse aussi parce que notre logiciel s'interface avec le leur. Donc c'est pour ça aussi qu'ils nous ont invités. C'est parce que pour eux, on représente des partenaires qui vont alimenter leur logiciel à eux. En fait, pour moi, l'idéal, c'est user de Salesforce. Pour l'instant, je me focus là-dessus avec des équipes commerciales. Enfin, tu vois, c'est assez simple. Il y en a des milliers. Ouais, après, En fait, faut juste que... Voilà, si faut juste que je tire la main à n'importe qui ici. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Alors si, c'était trop bien. Ok. Super intéressant. Comment tu t'es senti déjà? Je me suis sentie super à l'aise. Le message s'est passé, ouais. C'était bon. Le flow. En fait, c'est super parce que je fais ce que j'aime. Enfin, je sais pourquoi je fais la boîte. Okay. Donc, les questions. Les questions, c'est combien tu lèves, qu'est-ce que tu vas faire, dans quel ordre, tout ça. Je suis passée de 500 000 à 1 million, elles m'ont dit non, 2 millions. J'ai dit, les mecs, à chaque étage que je vais monter, je rencontre la prochaine. 10 millions là-haut. Je lui ai dit 10 millions. Sérieux? Tout de suite. Ouais. Sans doute oser et ne penser qu'à une chose, au client final. Ne pas dormir pour lui, ne pas manger pour lui, y penser tous les jours. C'est, à mon sens, la seule règle. Vous savez, il y a ces Américains qui disent toujours quand on crée une start-up, client is king and cash is king kong. Ben, faut faire les deux. Faut trouver des sous et ensuite ne penser qu'à son client. Aujourd'hui, on participe à un événement qui est organisé par le Grand Contrôle, qui s'appelle La Boum. L'idée, c'est de réunir les familles autour de musique, pour voir les enfants danser et s'amuser, se rencontrer un petit peu entre eux. Et du coup, on participe et on anime un atelier. Donc, on a à la fois un atelier peinture pour que les enfants participent ensemble à peindre la fresque murale qu'on a dessinée. Et pour un petit peu plus de défoulement, on a fait des piñatas remplies de bonbons qui vont devoir taper afin de récupérer les cadeaux. Donc il va falloir se déchaîner sur la piñata. Ouh, celle-là, elle est bien lourde, hein. Je sais pas de quoi elle est remplie, mais... L'idée, c'est de présenter Caramel à tous les parents. Et donc voilà, pour nous, c'est un super moment de plaisir pour rencontrer les familles et les enfants, être un peu plus proche des gens pour qui on fait l'application. Et donc là, on a hâte que ça commence d'ici une petite demi-heure. On est un peu short, alors on s'active. Regarde. Ouais, génial. Caramel IRL dans la vraie vie. On va faire ça tous les mois sous des formats différents, mais c'est les moments, c'est les meilleurs moments finalement de Caramel. Là, je suis à Granate. On est
est dimanche, il fait super beau. Demain, on a un programme donc, qui fait partie du bootcamp dans lequel on est pour découvrir l'écosystème de la santé en Espagne. Granada est un peu particulière parce qu'on voit quand même une touche arabe, je dirais, assez forte. C'est de belles couleurs, de la belle architecture, c'est super beau. C'est un mélange qui est devenu le mien aussi parce que moi maintenant je suis à la fois d'origine arabe, je suis européenne aussi. Et donc c'est une ville qui me parle, je dirais, par son histoire. Chaque passage que j'ai fait, chaque décision clé m'a mené dans un nouveau lieu auquel je ne m'attendais pas. Que ce soit mon déménagement en partant du Liban, en décidant de venir en France pour étudier, je ne m'attendais pas déjà à cette transition brutale. Rencontrer la personne de ma vie là-bas, devenir française, je ne m'y attendais pas. Devenir entrepreneur après avoir fait une thèse, je ne m'y attendais pas. Et ces décisions que je ne regrette pas du tout. Et là, me retrouver dans plein de villes européennes tous les jours à promouvoir notre entreprise, à essayer d'avancer, ça m'enrichit, ça me grandit et j'en suis tellement contente. We are a very collaborative company by nature, so we work with a lot of hospitals. L'objectif, c'est un, comprendre les écosystèmes de manière locale. Parce que même si on est basé en France, ça ne veut pas dire que le meilleur marché d'entrée pour nous serait la France, vu que le système de santé est difficile. Deux, c'est les rencontres avec des startups qui sont plus ou moins avancées que nous, qui peuvent nous donner leur expérience. Et trois, retravailler avec des mentors, des personnes qui ont vu l'écosystème de partout ces angles, retravailler notre proposition de valeur, ce qu'on a fait. Et tout ça, c'est grâce à l'ensemble des personnes avec qui on a eu l'occasion de parler en allant un peu partout en Europe. Quand on crée une entreprise, bénéficier de conseils d'autres personnes qui ont rencontré les mêmes difficultés, qui ont pivoté, qui ont parfois planté des entreprises, c'est extrêmement utile, c'est fécond. Je pense que le mentorat, c'est un atout majeur et c'est un atout pour les entrepreneurs, les entrepreneuses, et également pour les intrapreneurs, les intrapreneuses, mais aussi pour les salariés des grands groupes. Il y a de plus en plus de réseaux qui se déploient comme cela, que ce soit effectivement quand on crée une entreprise, mais également dans des grandes entreprises ou entre grands groupes, pour permettre, bien entendu, les échanges et puis des réflexions aussi sur le leadership, sur le management. The average businesswoman had 21 active contacts in her network, while the average businessman had something like 83. So over 4 times as much. And you know, ironically, we think of women as social beings, as being more social, and we are. But that doesn't necessarily translate to the kinds of value-added business contacts you would need to scale an enterprise. Comment fait l'industrie textile pour vous nous vendre des choses dont on n'a pas besoin? Comment elle fait pour écouler ses 100 milliards de francs? Sa stratégie, baisser les prix à outrance. Donc là, il y a vraiment un truc, ça n'a jamais été aussi peu cher d'acheter des vêtements. C'est tellement peu cher que si vous achetez un t-shirt, ça peut peut-être être plus rentable de le jeter que de le laver. En termes de pour vous, pour votre business. Deuxième stratégie, l'obsolescence programmée du désir. Ce renouvellement des collections, c'est pas anodin. L'industrie textile est experte là-dedans. Elle arrive à vous renouveler votre désir à une vitesse incroyable. Elle arrive à vous faire détester quelque chose que vous avez acheté 2 semaines avant. Elle arrive à faire que vous ayez vos placards remplis de vêtements, mais que vous alliez quand même acheter des nouvelles choses. Et la troisième technique qu'utilise l'industrie textile et qui est une technique utilisée par globalement toutes les industries, c'est la technique des dark patterns. Par exemple, vous allez sur un site internet et on vous dit « Ah, plus que 3 heures pour commander !» Ou alors 4 autres personnes sont en train de regarder le même truc que vous. Ça, c'est juste de la manipulation psychologique. Vous avez juste été voir une paire de chaussettes et tout à coup, cette paire de chaussettes, elle vous suit sur Facebook, sur Instagram, sur le truc, sur Google Maps et tout, et vous êtes là. Donc, ça joue sur le biais d'exposition. Donc, le seul moyen de réduire efficacement ce gaspillage, ce n'est pas l'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage, ce n'est pas d'utiliser de la fibre de bambou. Le seul moyen de réduire le gaspillage, c'est de produire et de consommer moins. En gros, c'est on fait un assistant virtuel pour les équipes commerciales et on est focus sur l'efficacité des sales. Il y a 57% des sales qui n'atteignent pas leurs objectifs. On trouve que c'est trop. Là, tu leur mens, ça. Can you believe that?
Can you believe that 57% of salespeople don't reach their objectives? Because of lack of organization. This is one big one. Because of friction with their management. And then there are other soft skills that they need to get to reach to their objective, which is obvious. T'arrives à la solution. Okay. Never went nowhere, but they say a loon is back. Living on that condo, just got a loon react. Cause all I do, all I do is be wee, no matter what. For having me here today. So just before introducing my company, I'm gonna introduce myself. My name is Lara. I come from France. So basically, CARE is a tool that's connected to both your CRM and your calendar, and that helps you plan your day and plan your week as week-wise sprints. But to do that, even if everybody tells you they wanna do it, you need the data. And no one has this data because no tool comes to the sales. So voilà. So this I have our a question, Lara. Why only 1,000 customer instead of 10,000 or 1 million? You said you want 1,000 users that are paying. For doing a test, first of all, I think it's better to do it with million people. Second, they should not pay. I know. This is why I go for the 100 people. Yeah. Si elle arrive à convaincre ici, elle pourra convaincre n'importe où. C'est des requins. Ils vont te poser des bonnes questions. Ils vont la mettre au pied du mur. Ils vont la pousser à prendre des risques. Elle va devoir convaincre tout le monde. Elle va devoir convaincre les investisseurs, les talents à recruter, des clients demain, puisqu'elle vend une application de sales. Donc, c'est les plus compliqués à convaincre. Mon marché pour notre produit, il sera ici. C'est un endroit qui est super agréable. Il fait beau. Et ça bouge. En fait, ça bouge toujours, ça bouge vite et ça bouge grand. Donc, ouais, c'est possible que j'y habite. Je ne sais pas si c'est un rêve, je pense que ça fait partie des possibilités qui sur mon chemin. J'invite Anna Chirkinskaya et Johan Canal de Omni. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour nous et nous sommes très reconnaissantes pour ce prix parce qu'il va nous permettre de payer les frais de laboratoire, les réactifs pendant l'année à venir, mais aussi de payer les frais d'un brevet que nous avons déposé en septembre, un deuxième brevet qui protège notre technologie. Et surtout, c'est pour nous un cachet de confiance et un indicateur que nous sommes sur le bon chemin pour évolutionner la biologie médicale. Merci. Je ne crois pas que le leadership ait un sexe. Un entrepreneur qui réussit, c'est d'abord quelqu'un qui a une vision. Il a une claire compréhension de ce qu'il veut faire. La capacité également à échouer souvent, mais vite. Et puis également, ce qu'on appelle en anglais le drive, la capacité à embarquer des équipes, à fédérer des talents autour de lui et à les emmener dans un projet qui va réussir. Ah ouais, c'est un projet, ça. Ça nous fait plaisir. Non, très bien, très heureux que le jury Girondin vous ait choisi. Bon, si on veut faire quelque chose, faut me le dire. Hein. On n'hésitera pas, si c'est ça. Merci beaucoup. À bientôt, alors. À très bientôt. Bravo. Les femmes ont moins d'ego que les hommes. Pas moins d'ambition, moins d'ego. Et quand même, ça simplifie et ça aide beaucoup les rapports humains en entreprise. Quand on a une femme dirigeante, elle est bien en compète avec les autres, mais c'est pas je. Elle est capable de se dire, OK, on est une équipe, elle est capable de faire fonctionner l'équipe. Et donc, c'est quelque chose d'important et qui change complètement le mindset, le fonctionnement d'une entreprise. Caramel?
you can find and discover activities or book them for the children for the next weekend. But parents can also just get inspired and do activities at home. We are their companion at every time. Thank you. Il y a des posts qui sont faits sur les réseaux sociaux, donc il y a des gens qui nous envoient des messages pour nous dire « Ah, je vous ai vu, c'est trop bien, bravo !» Donc ouais, je pense que... Ça bouge pas mal sur Twitter. Ça bouge pas mal sur Twitter. Tu vois, là, il y a trois lignes, c'est l'appli parfaite pour les parents, pour réserver et trouver des activités pour les enfants avec le lien. Donc direct, les gens, j'imagine qu'ils voient ça, qu'ils sont sur Twitter, ils cliquent, ils téléchargent. Et derrière, nous, on voit clairement un pic sur nos analytics de téléchargement, donc c'est top. Je pense que l'objectif dans un an, c'est d'avoir converti Paris. Peut-être grâce à une levée de fonds, et c'est peut-être ce qui va se déclencher grâce à l'événement d'aujourd'hui. This last year in France alone, 50 funds committed themselves to investing in 25% female-founded companies by 2025. That's a huge, huge gap from today, which is around 2-3%. It's ridiculous. But I'm interested to see actually how we're going to get there and how we're going to make that change. So I think definitely there's going to be much more women in this situation. I'm really wondering what's the path.